Pas grand monde ce matin dans les rues de Pau, seules quelques personnes vaquent à leurs occupations. Parmi les nouveautés de ce confinement d'avril, les librairies et les disquaires ont cette fois pu rester ouverts, notamment les commerces indépendants. Pour nous, c'était une bonne nouvelle de rester ouvert, parce qu'on est toujours content d'accueillir les gens dans la librairie et de pouvoir offrir ce service de proposer et de conseiller les livres aussi en direct, et pas de faire à distance. Même si lors du dernier confinement, on avait fait le click and collect et ça avait plutôt bien marché. Satisfaction également pour les réparateurs d'automobiles, les magasins de bricolage et d'informatique, ils peuvent accueillir leurs clients. Une liste difficile d'ailleurs à comprendre. Dans ce salon de coiffure ouvert cette fois-ci, les clients ont du mal à suivre. Les gens comprennent plus ce qui se passe et on le voit de la part de la clientèle qui nous demande est-ce que vous êtes ouvert, est-ce que vous êtes fermé, comment ça se passe. Est-ce qu'on peut venir chez vous, même si on habite à plus de 10 km ou pas? Donc c'est vrai que ça nous met un sacré coup de frein dans notre activité, oui. Du côté des Halles, la baisse d'activité est aussi visible ce premier jour. Commerce essentiel, non essentiel. Jusqu'au 3 mai, il faudra prendre de nouveaux repères.